Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Donc, je m'appelle Alain Pierre et je vous parle actuellement en direct de Washington DC. Comment les Africains luttent contre le coronavirus? Nous allons parler au courant de cette émission ici sur Afrique Today. Donc, Afrique Today donc, a décidé donc, de faire des émissions très spéciales ici sur Afrique Today. Alors, le coronavirus qui menace actuellement tout le monde entier. Alors, comment l'Afrique, en particulier le Sénégal, lutte contre ce phénomène? Quelle est la situation de la pandémie actuellement? Situation en Afrique, situation au Sénégal et beaucoup d'autres questions que beaucoup de gens se posent. Pour nous répondre à toutes ces questions, j'ai actuellement en direct du Sénégal Docteur Aliou Bou, que tout le monde connaît, un docteur du Sénégal qui est actuellement avec moi en direct, ici sur Afrique Today. Alors docteur, si la connexion est bonne, bienvenue sur Afrique Today. Bonjour Monsieur Alain, la connexion est très bonne. Je suis docteur Aliou Bou, je suis très content d'être votre invité et de faire la situation par rapport à la pandémie du COVID-19. Merci. Alors, docteur, j'ai une question à vous poser là. Quelle est l'évaluation actuellement du COVID-19? Merci, M. Alain. À l'instant où nous sommes, nous pouvons dire que depuis l'apparition du virus COVID-19 en Chine au mois de décembre, en l'occurrence vers les cours du 31 décembre, nous avons constaté. Au début, la Chine était l'épicentre de la maladie coronavirus. De fil en aiguille, par rapport à la mobilité internationale, le virus a migré naturellement vers l'Europe. D'autant plus que, comme vous le savez maintenant, la Chine est devenue un monde. La Chine regroupe toutes les grandes structures, les entreprises, sur le plan économique, sur le plan sanitaire et sur bien des domaines. Beaucoup de structures européennes se sont localisées au niveau de la Chine. Du coup, la mobilité entre l'Europe, la mobilité entre les États-Unis et la Chine, c'est devenu quelque chose, ce n'est plus un secret pour tout le monde. Du coup, lorsque l'épicentre a quitté la Chine, il a migré vers l'Europe, en l'occurrence la France, l'Italie, l'Espagne. Malheureusement, les chiffres qu'on avait au niveau de la Chine, des chiffres très prometteurs où il y avait quand même quelques cas, malgré une morbidité qui n'était pas très importante. Lorsque la situation a changé, lorsque les choses sont allées au niveau de l'Europe, nous avons constaté maintenant une évolution exponentielle. Et là, c'est très inquiétant, d'autant plus qu'à l'heure où nous sommes, 4 à 5 pays sont les plus touchés à travers le monde. On peut noter d'abord l'Italie qui enregistre le plus grand nombre de décès. Sur 135 586 cas, il y a 17 127 personnes, chiffre OMS en ce jour. Par rapport à l'Espagne, c'est 146 690 cas, 14 555 malheureusement ont perdu la vie. En France, c'est 109 069 cas, 10 328 personnes ont perdu la vie. Et les États-Unis, en l'occurrence, c'est 402 471 cas, 12 914 ont perdu la vie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vrai, tout nous intéresse, mais c'est l'Afrique. L'Afrique aussi, c'est important de noter quand même quelque chose d'important et quelque chose de très encourageant. Sur 10 791 cas, nous avons enregistré 538 cas de décès et 1138 cas de personnes qui, heureusement, sont guéries et sont rentrées chez eux. On peut dire que, à l'instant où nous sommes vraiment rassurés, nous sommes inquiets, d'accord, par rapport au monde entier, mais on est rassurés parce que ce qu'on pensait, on pensait que l'épicentre pouvait être l'Afrique, mais on croise les doigts jusqu'à présent, l'épicentre n'est pas encore en Afrique. Lorsque l'épicentre a quitté la Chine, il a migré vers l'Europe, maintenant il est en train de migrer vers les États-Unis. Nous n'avons rien contre vous,
Mais on préfère que ça soit l'épicentre là-bas, que ça soit en Afrique, parce que notre système sanitaire, de façon globale au niveau de l'Afrique, n'est pas des meilleurs, au point que si l'épicentre l'ose en Afrique, malheureusement, ça pourrait être une catastrophe. Du coup, les systèmes occidentaux, beaucoup plus performants, beaucoup plus renforcés, si l'épicentre est là-bas, ils pourront lutter, bon gré, mal gré, un peu plus meilleur par rapport à si ça a transféré en Afrique. Donc là où nous sommes, les gens sont en train de faire beaucoup d'efforts, nous y reviendrons, par exemple, l'exemple typique du Sénégal et pas mal de pays, pour lutter vraiment contre cette propagation du Covid-19, qui est une épidémie, je dirais même une pandémie maintenant, qui est en train de faire vraiment des ravages et qui court très 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 vite. Et là où nous sommes, vraiment, nous sommes sur le qui-vive. Tous les efforts sont en train d'être faits afin que vraiment qu'on arrive à endiguer la propagation de cette pandémie. Merci. Alors, vous venez de nous parler un peu de la situation dans le monde, en Europe, et vous nous avez un peu parlé de l'évaluation actuellement du groupe du COVID-19. Quelle est la situation actuellement, selon vous, de cette pandémie dans le monde? Dans le monde où nous sommes maintenant, nous sommes à 1 million, à l'instant où je vous parle, parce que c'est des chiffres du website de WHO, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, 1,453,125 personnes à travers le monde sont malheureusement contaminées par ce COVID-19. Il y a un brin d'espoir parce que sur les 1,453,125, 309,957 personnes sont guéries, sont définitivement rémis, donc sont guéries. Et malheureusement, nous avons eu des victimes, des personnes qui ont perdu la vie, au total de 83,585 personnes. Donc dans le monde entier, à l'instant où nous sommes donc à 1,453,000 cas, 3,309,000 personnes qui sont guéries et malheureusement 83,585 personnes qui ont perdu la vie de ce COVID-19. Ok, ça c'était un peu la situation dans le monde. Essayons d'arriver en général, avant d'arriver au Sénégal, la situation de l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, l'Afrique n'est pas beaucoup touchée parce qu'ils ont toujours utilisé certains médicaments. Vous savez, les gens parlent beaucoup sur les réseaux sociaux et ils disent beaucoup de choses et on ne sait pas quelle information il faut croire. Bon, il est bien vrai, on conseille à tout le monde de croire aux informations officielles, d'essayer de comprendre ce que le gouvernement demande de faire. Mais en général, quelle est la situation actuellement en Afrique, si vous avez ces informations? Merci, Monsieur Alain. Vous savez, au niveau de l'Afrique, effectivement, nous avons pratiquement trois pays qui sont les plus touchés. En l'occurrence, l'Algérie, en l'occurrence, le Maroc, l'Égypte. Afrique du Sud, il y a un nombre, c'est le nombre le plus élevé en Afrique du Sud, mais heureusement, il n'y a pas beaucoup de pertes en vie humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de décès. Du coup, c'est les trois pays pratiquement qui sont les plus touchés en termes de mortalité, entre autres. Maintenant, de façon globale, au niveau de l'Afrique, nous avons sur un total de 10 791 cas. Heureusement, 1138 personnes sont guéries et rentrées chez eux. Et malheureusement, nous avons perdu 538 personnes. C'est normal par rapport aux informations dont vous faisiez état tout à l'heure. Parce que vous savez, il faut contextualiser la pandémie COVID-19. Je l'avais dit ici dans vos antennes en disant que c'est un virus qui, dans son milieu de prédilection, c'est dans les milieux tempérés. Là où il y a la fraîcheur, là où il y a le froid, là où il y a la neige, ainsi de suite. Vous savez, l'Afrique, en grande partie, c'est des pays subsahariens. Les pays subsahariens ont des températures un peu élevées, moins 35-45 degrés sur cet intervalle. Du coup, le Covid, il n'est pas très, très, c'est pas son milieu de prédilection. Il n'est pas très, très propice par rapport à ce climat d'abord, ça c'est un, et c'est un fait réel et important, démontré scientifiquement. Il y a aussi un autre cas de figure, vous l'avez entendu tout à l'heure, on va revenir sur les traitements qu'on a commencé à utiliser ça et là. Il y a également les Africains, dans le milieu tropical, on a l'habitude d'avoir une épidémie, je dirais même une endémie, ce qu'on appelle le paludisme. Le paludisme malaria, vous savez, c'est devenu endémique dans les pays africains de façon globale. Parce que si vous prenez la situation du paludisme à travers le monde, qui malheureusement fait beaucoup plus de ravages, parce que le paludisme chaque année pratiquement est de 600 000 personnes.
les 90% sont dans l'Afrique subsaharienne en grande partie. Maintenant, nous, on a l'habitude de prendre beaucoup de produits qui, éventuellement, pourraient être une protection contre le Covid. C'est important de le signaler parce que beaucoup de parce notre organisme, il peut créer ce qu'on appelle des anticorps mémoire qui mémorisent comment dirais-je, les antigènes d'un virus tel ou bien d'un parasite tel comme le plasmodium falciparum, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que nous, on a une protection. Il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le dise, on est protégé plus ou moins. Ça ne veut pas dire qu'on est exclu, je vais revenir sur les cas graves et les mortalités par rapport à les comorbidités entre autres. Mais pour l'instant, on a constaté ça, c'est un état de fait que l'Afrique, en grande partie l'Afrique tropicale, est très protégée. Ce qui fait qu'on peut même voir des porteurs asymptomatiques, des gens qui vont faire le Covid. Malheureusement pour eux, ils ne vont pas tomber malades. Ils vont avoir un mal de tête, une fièvre à gauche, à droite, comme si c'est une grippe simple, comme si c'est un paludisme qui passe. C'est normal parce que notre organisme a fabriqué des anticorps mémoire qui sont protégés contre ce Covid-là. Ça, c'est important de le signaler. D'autant plus que ces maladies, ou bien ces épidémies, ou bien ces endo-épidémies, sont toujours fréquentes en Afrique. Ce n'est pas des maladies des pays européens. Je me rappelle très bien, je l'ai le signaler, nos amis du côté de la France, ou bien de l'Europe globalement, l'Europe occidentale, ils ont l'habitude d'avoir des soucis si nos parents qui quittent ici émigrent là-bas, s'ils sont atteints de paludisme, ils peuvent mourir de là-bas. Parce que là, les professionnels de santé au niveau de la France, entre autres, n'ont pas l'habitude de faire le test du paludisme parce qu'ils ne connaissent pas très bien cette maladie-là. Parce que le plasmodium falciparum, le moustique du paludisme, ne peut pas résister dans les milieux tempérés. Donc vraiment, il y a une protection quand même qu'on a acquis grâce à certaines pathologies qui malheureusement nous causent beaucoup de soucis. C'est un exemple qui est là et qui est patent et qui est une réalité aussi. Un exemple qui est là, qui est patent, qui est une réalité. Donc, merci pour cela. Merci vraiment pour ce que vous faites pour la communauté africaine et plus précisément pour la communauté sénégalaise. On va vous reprendre dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre une pause publicitaire dont nous allons revenir tout à l'heure. Je vous rappelle à ceux qui nous regardent actuellement que c'est donc toujours Afrique Today et nous sommes actuellement en direct avec Dr Ali Bio qui est en direct avec nous de Dakar au Sénégal. Donc nous allons revenir actuellement avant de parler de ce qui se passe au Sénégal. On revient tout à l'heure. À bientôt. C'est donc toujours ici Afrique Today et c'est votre émission préférée. C'est une émission spéciale où on le fait sur le coronavirus. Alors nous parlons là, nous sommes actuellement en direct avec Dr Alioba qui est docteur en pharmacie, option biologique. Il est aussi diplômé de l'université à mission humanitaire, mission d'urgence. Donc, il a aussi été responsable de zone pendant 6 ans avec beaucoup de compagnies. Donc, il est actuellement avec nous en direct du Sénégal. Donc, j'espère que la connexion ne va pas nous lâcher si docteur nous reçoit actuellement. Alors, docteur, nous allons donc passer. Docteur, donc, je vais vous poser une autre question que tout le monde, la question que beaucoup de gens se posent actuellement. Mais est-ce que vous pouvez nous donner actuellement la situation exactement du Sénégal? Merci, monsieur Alain. C'est avec plaisir que je vous donne cette situation. J'en profiterai quand même pour me féliciter mon pays. Comme vous le savez, bon, je ne sais pas si vous l'ignorez, depuis hier, il y a le Bureau Perspective Économique
qui a fait une étude internationale sur vraiment le COVID-19 et a noté le Sénégal 0,68 sur 1. C'est-à-dire que le Sénégal est noté 68% de, par rapport au traitement, par rapport à la prise en charge vraiment du COVID-19. Donc le Sénégal est premier en Afrique et le Sénégal est troisième à travers le monde derrière le Cambodge qui est deuxième et derrière Bahreïn qui est premier sur 132 États. Donc pour montrer, donc nous on est fiers en tant qu'Africains pour dire que maintenant la médecine est universelle. Tout un chacun peut développer une médecine et tout un chacun peut mettre en place un système qui permet de prendre en charge ses propres populations. Et j'en profiterai pour lancer un appel par rapport à une mutualisation, à une synergie de toutes les forces scientifiques africaines. La réponse au COVID-19, c'est une mutualisation de tous nos efforts afin qu'on endigue ce problème-là. Chemin faisant, j'en profiterai pour dire qu'au Sénégal, nous avons enregistré beaucoup de cas. Nous avons enregistré 244 cas, dont 113, heureusement, sont guéris et rentrés chez eux. Malheureusement, nous avons perdu deux cas. Donc, nous avons perdu deux personnes et l'une des personnes, toutes les deux sont chères, mais l'une parmi elles, c'est une personnalité, une figure emblématique de l'histoire du Sénégal, parce que c'est l'ancien président de l'Olympique de Marseille pour les amoureux du foot, qui s'appelle M. Pape Diouf, qui malheureusement nous a quittés dans des conditions très difficiles. Comme vous le savez, j'en profiterai pour parler des comorbidités. C'est ce qui nous inquiète, nous autres scientifiques, parce que surtout, ce n'est pas la maladie en tant que telle qui crée des problèmes. Surtout, c'est les comorbidités. Comprenez par comorbidité les maladies annexes. Par exemple, quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a l'hypertension artérielle, quelqu'un qui a l'asthme, quelqu'un qui a une maladie qui peut être grave. Malheureusement, si tu as ces maladies-là, si le COVID, malheureusement, tu as piqué le COVID, du coup, tu peux avoir des soucis. Et là, pour te sauver, ce n'est pas toujours facile. Parce que les fonctions vitales de l'organisme, à savoir le rein, à savoir le foie, à savoir le cœur, donc sont atteints, du coup pour te sauver c'est un peu compliqué. Donc ce qui fait que nous autres au niveau de l'Afrique, malgré tous ces cas, malgré notre système de santé qui n'est pas extraordinaire, on est arrivé avec des ressources humaines de qualité de vraiment relever un défi énorme, de guérir 113 personnes, de ne perdre que 2 personnes. On croit des doigts, on continue à faire le travail. Maintenant, vous le savez, ce qui est un peu compliqué chez nous, c'est le confinement. Le confinement, c'est-à-dire que c'est des pays, comme vous le savez, 90% des populations vivent au jour le jour parce que c'est des pays pauvres qui n'ont pas les chances d'avoir des employés formels. C'est souvent les gens qui travaillent dans le secteur informel. Du coup, on est obligé de faire avec. L'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Les professeurs de santé sont en train de beaucoup faire d'efforts. Mais les populations aussi, en un certain moment, c'est ce qui fait que c'est inquiétant si ça dure à la longue parce qu'il va falloir qu'on règle le problème de subsistance. Du coup, là, on est en train de faire bon gré mal gré pour endiguer ce problème-là et essayer de canaliser au point que nous allons gérer, tant soit que possible, ce COVID-là avant que ça soit trop tard. Mais honnêtement, on est fiers, on est contents, on pense qu'on a réalisé un travail extraordinaire. Ensemble, on pourra y arriver et on invite tout un chacun, tous les États africains, à mutualiser nos efforts afin qu'on endigue ce phénomène de COVID-19. Ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Bien sûr, ensemble, nous allons arriver. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que nous sommes en direct depuis Washington DC. Je m'appelle Alain Pierre et je suis actuellement en direct du Sénégal avec Dr Alioba. Ceux qui ne connaissent pas, je vais encore rappeler, c'est un docteur en pharmacie option biologique, diplômé universitaire à mission humanitaire, mission d'urgence à Caen en France. Il a été aussi responsable de zone pendant 6 ans avec IntraHealth International 2017-2019, conseiller technique pendant 2 ans avec USAID, directeur du laboratoire d'Aïd Kossar depuis novembre 2019. Il est actuellement en direct avec nous depuis Dakar au Sénégal où nous parlons de la situation qui se passe actuellement. Alors docteur, j'ai une question qui traîne beaucoup de débats actuellement dans tout le monde entier. Alors beaucoup de personnes actuellement dans le monde parlent de ce remède de la chloroquine. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cela. Merci, M. Alain. C'est une très belle question. Et
c'est une question qui me fascine. D'autant plus que moi, je préfère être prudent. Être prudent veut dire, jusqu'à présent, nous avons vraiment eu la chance de maîtriser la maladie en traitant de façon symptomatique. Je m'explique. C'est-à-dire que le traitement, c'est le médecin traitant avec son équipe qui décide par rapport à l'état du patient de donner les médicaments qui servent. Et comme vous le savez, le Covid, c'est, je disais tantôt, les premiers signes, c'est les signes de la grippe, à savoir une toux, un mal de gorge, une fièvre, parfois des vomissements, parfois une diarrhée, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est des signes qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de maladies. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un traitement symptomatique. Maintenant, en un certain moment, il y a eu beaucoup de bruit par rapport à la chloroquine. Mais moi, je veux être prudent parce que je ne veux pas qu'on aille, que tout un chacun veut s'en procurer. J'ai entendu même au Sénégal, en un certain moment, tout le monde appelait. Moi-même, on m'appelait pour me demander si je pouvais trouver de la chloroquine. Alors que ce n'est pas ça. Parce que la chloroquine, on ne l'utilise pas en mode préventif. On l'utilise en mode curatif. Il faut que le médecin traitant, par rapport à un certain moment, il vérifie la capacité de la personne à prendre la chloroquine. Il l'administre parmi tant d'autres médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qu'on donne, il n'y a pas que la chloroquine. Maintenant, la chloroquine est un très bon médicament, c'est un antiviral, on est d'accord. Il règle beaucoup de problèmes. Moi, ce qui m'inquiète, par rapport à l'événement du Covid, maintenant, tout le monde pense que la chloroquine règle le problème, on aille prendre la chloroquine, on en fait ce qu'on veut, et ça crée beaucoup de problèmes. Allons-y, avançons lentement et sûrement. Laissons les médecins traitants s'occuper des patients. Ils savent bel et bien quels sont les médicaments qui servent par rapport aux personnes. Et aussi, c'est important de préciser que lui seul, ou bien la chloroquine à elle seule, ne peut pas traiter le malade. On l'associe avec d'autres médicaments. Et il y a des personnes même qui n'ont pas besoin de la chloroquine. Ça dépend de l'état du patient. Maintenant, au Sénégal, nous avons le chef de service de maladies tropicales et infectieuses, c'est le passage mon professeur Seydi, qui a montré que vraiment, lorsqu'il a donné la chloroquine à certains patients, il a eu des résultats. Et c'est salutaire. Et vraiment, ça a diminué même le temps que le patient prenait pour guérir. Et c'est bien, c'est salutaire. Mais on est dans le constat. En science, il n'y a pas de constat, c'est du concret. Il va falloir une recette scientifique avérée, fait en laboratoire, qu'on trouve des essais cliniques patents qui montrent avec exactitude la réalité de la chose pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on doit faire des publications. On doit dire que par rapport à 100 patients reçus, 50 sont guéris parce que. Mais on ne peut pas faire dans des approximations, dans des constats. En science, tout est exact. Donc vraiment, j'aimerais être prudent. J'aimerais laisser les traitants faire ce qu'ils doivent faire. Et aussi, c'est important de préciser que l'Organisation mondiale de la santé a autorisé d'autres molécules. Il n'y a pas que la chloroquine, il y a eu beaucoup de publicité, alors que les médicaments, on ne fait pas de publicité. C'est dans le domaine sanitaire, on doit faire doucement et l'en laisser aux professionnels faire le travail qui sert. Faire des essais cliniques qu'il faut, vraiment vérifier ce qu'on appelle l'efficacité thérapeutique. C'est-à-dire combien de personnes ont eu à être administrées la chloroquine et ces personnes sont guéries. Et ça, on pourra en faire un échantillonnage, étendre l'échantillonnage et permettre d'en bénéficier d'autres populations. C'est vraiment la réponse que je voulais apporter par rapport à la chloroquine. Merci vraiment, docteur, pour cela. Merci pour cette clarification, parce qu'il y a des gens, vraiment qui il y a beaucoup. Le coronavirus apporte beaucoup de polémiques sur l'internet et des gens viennent parler beaucoup de choses. Il y a aussi eu beaucoup de polémiques sur cette chloroquine. Bon, il y a certaines personnes qui ont commencé à le prendre en France. Il y a d'autres peut-être ici aux États-Unis qui le prennent. Je ne suis pas au courant. Mais je sais quand même qu'au niveau de l'Afrique, vous trouvez là-bas, au niveau du Sénégal, vous trouvez des moyens pour essayer de résoudre, des moyens selon les médecins pour résoudre ce problème sur place. Alors, et vous avez dit déjà ici dans le cadre de cette émission que pour le moment, le confinement est presque impossible en Afrique. Absolument. Le confinement est presque impossible en Afrique. Je suis affirmatif parce que, comme vous le savez, le secteur informel en Afrique, je ne peux pas donner exactement la statistique à travers l'Afrique, mais au Sénégal, on est à 75 à 80% du secteur informel. Donc, comment peut-on dire à ces gens-là de rester chez eux? Ce n'est pas évident parce que ça devient même une question de subsistance, de survie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des mesures d'accompagnement. Et on salue l'État du Sénégal, a fait des efforts en faisant vraiment beaucoup de social, en vraiment réglant beaucoup de choses qui, on pense que c'est des choses intéressantes.
les factures d'eau, d'électricité, faire même du social en donnant de la nourriture, bon, entre autres, pour aider les gens, les accompagner, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce qu'on a constaté, et c'est mieux, c'est de donner des exemples de distanciation sociale. Dire aux gens de ne pas faire des rassemblements de personnes, d'éviter des rencontres, d'éviter vraiment d'être à 1m50 jusqu'à 1m à 1m50, et vraiment d'éviter d'aller dans des mosquées, dans des églises, tous les lieux, dans les marchés. Beaucoup de choses qui font qu'on peut se rassembler et être source de contamination, c'est ça qu'on va lutter contre et faire ce qu'on appelle les mesures barrières. Mais dire aux gens, restez chez eux enfermés, très sincèrement, ça va être très difficile. Même si on aille vers ça, malheureusement, dans une semaine, je suis désolé de le dire, on risque d'avoir des soulèvements populaires parce que, vous savez, la personne qui a faim, il a besoin de manger, qui a soif, il a besoin de boire. Donc, l'État ne peut pas tout assurer, l'État ne peut pas tout régler. Du coup, l'État, ce qu'il peut faire, c'est accompagner les gens, faire des couvre-feux, prendre des mesures qui permettront aux gens, le plan social, de les accompagner et ne pas être trop contraignante. Sinon, ça peut être vraiment compliqué et ça peut causer une catastrophe aussi parce que c'est bon de lutter contre le Covid, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que les gens mangent, boivent, pour que les gens vont à leur préoccupation. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités. Ceux qui travaillent, faire du télétravail pour certains métiers. Nous autres professionnels de santé, nous ne pouvons pas le faire. On est obligé d'aller au travail. Donc, il faut qu'on explique aux gens de se laver les mains, de prendre des gels hydroalcooliques, de faire des mesures barrières, d'éviter de se caresser, de se serrer la main, ainsi de suite. Voilà, moi, je pense que c'est la meilleure formule de conscientiser les gens, de les sensibiliser sur l'aggravation de ou bien la pandémie ou bien de cette augmentation exponentielle qui pouvait faire une catastrophe chez nous. Moi, je pense qu'on est en train de le faire. Donc, ça a fait des résultats, mais on continue à sensibiliser les gens davantage pour leur montrer l'importance. Sinon, si on aille vers un confinement total, ma foi, ça peut être très, très, très compliqué. Ça peut être très, très compliqué. Merci vraiment, docteur, pour ces conseils. Donc, avant de vous laisser partir, il y a aussi une autre polémique là qui se passe dernièrement. On a vu beaucoup de communiqués, on a même vu des docteurs s'exprimer sur des télés françaises, une télévision, je crois, française, où on disait que sur les vaccins. Et je voudrais vraiment savoir ce que vous pensez de cela. Merci, M. Alain. Voilà, c'est une question que j'attendais. Au fait, c'est la chaîne française LCI. LCI, malheureusement, c'est docteur Jean-Pierre et docteur Camille Loche, qui sont des sommités scientifiques en France, parce que c'est des médecins-chefs. C'est le professeur Jean-Pierre qui, malheureusement, est un réanimateur reconnu, qui fait du bon travail. Et Camille, qui est dans un institut de recherche, qui est reconnu, qui fait du bon boulot. Donc, ces propos venant de chez eux, quand même, ça a surpris plus d'un. Mais je préfère relativiser. Je donne le cas du Sénégal et du monde de façon globale, ou bien africaine. C'est-à-dire les vaccins, c'est important de préciser qu'il y a un système qui s'appelle le ministère de la Santé dans pratiquement tous les pays africains. Et ce ministère de la Santé, il a ce qu'on appelle la direction de la prévention qui s'occupe de la gestion des vaccins. Donc les ONG, moi je vois beaucoup de photos d'informations sur les réseaux sociaux. On ne peut pas, les ONG ne peuvent pas avoir des vaccins. Un avion ne peut pas sortir des États-Unis ou bien de Cambodge amène des vaccins et d'autres États africains, c'est pas comme ça. Il va falloir quand même informer davantage les gens. Il y a des tests qui peuvent se faire. Il y a des volontaires qui ont accepté en Australie, un peu partout, de se faire vacciner. C'est normal. Et les vaccins dont il parle, c'est les vaccins BCG, Bacille Calmette Guérin, qui étaient utilisés contre la tuberculose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces vaccins contre la tuberculose, des études ont montré que pour protéger pratiquement 20 à 30% des personnes atteintes de COVID-19. Donc, si on constate que ça peut protéger des gens, ils ont dit pourquoi pas expérimenter ça. C'est ce qu'on appelle l'efficacité thérapeutique. Si on pense que c'est bon, c'est un constat. De façon scientifique, faire une étude pour montrer que c'est réel ou c'est pas réel. Donc, c'est ça. Ils disaient donc d'aller en Afrique le faire. Donc, ils ont mal parlé. Ils ont été vraiment désolés. Même l'OMS a été. Nous on était vexés d'entendre ces propos malveillants. Mais faudrait-il préciser, il ne faut pas amener des vaccins comme ça. Il y a ce qu'on appelle des comités d'éthique. Par exemple, au Sénégal, il y a un comité national d'éthique. Même le président ne peut pas se prononcer. C'est ce comité-là, dirigé par le ministère de la Santé, par des professionnels aguerris qui réfléchissent, des immunologues, des scientifiques, des infectiologues, qui donnent l'information exacte pour dire est-ce qu'on doit pouvoir commencer un vaccin, oui ou non.
on étudie le pour et le contre, le bénéfice risque et tout. Donc c'est pas on se lève, on va en Afrique, on fait ce qu'on veut. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc toujours est-il que tous nous autres Africains, nous devrons mutualiser nos efforts, être en synergie, travailler ensemble pour vraiment développer des choses qui permettront de faire face à certaines choses. Maintenant, si une personne parle à la télé, elle verse les gens. Donc les réseaux sociaux parlent, tout le monde dit celui-ci, Obama a dit ne pas être vacciné, Raoul a dit ceci. Alors que parfois, c'est des propos qu'on tient, qui ne reposent sur aucune source réelle. Et c'est important donc qu'on aille vers les professionnels de santé, prendre les sources fiables pour savoir ce qui se passe. Mais honnêtement, on ne peut pas amener des vaccins comme ça, donner ça à des Africains. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Oui, mais il y a une autre question que je voudrais vous poser. Bon, ok, bon, vous avez dit qu'il y a des gens qui sont guéris, qui ont pu guérir à travers. Il est bien vrai qu'il y a eu beaucoup de morts et nous savons que chaque année, il y a toujours des morts. Bon, mais là, est-ce qu'il y a vraiment l'importance de prendre, de faire des vaccins sur ce coronavirus, ou alors il est mieux de continuer à voir si on peut trouver un traitement. Moi, je voudrais savoir, on a des questions, des gens qui nous posent cette différence qu'il y a entre un traitement et un vaccin. Nous savons que, bon, si on vous fait le vaccin cette année, peut-être il vous faudra encore faire un autre vaccin l'année prochaine parce que le virus, il peut changer, il peut devenir un autre virus, mais est-ce que pour le moment, nous constatons quand même, selon les constats, même en Chine, où cela a commencé, ils n'ont pas utilisé des vaccins, ils ont pu traiter la majorité des personnes. Est-ce que ne pas se concentrer pour le moment à un traitement avant de parler, est-ce que ce n'est pas très tôt de parler de vaccins actuellement? Merci, M. Alain. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est mon avis, moi aussi, parce que le vaccin, c'est important d'avoir un vaccin quand même, parce que le vaccin, c'est à titre de prévention. D'autant plus que le virus, c'est comme le virus de la grippe, influenza virus, entre autres. On peut injecter une personne un vaccin pour le protéger pendant une année, ainsi de suite. Ça dépend. Il y a des vaccins qui durent plus d'une année, il y a des vaccins qui durent 5 ans, ainsi de suite. Donc c'est important parce que la meilleure protection contre le COVID, c'est vraiment la prévention. La prévention, l'un des remèdes les plus importants de la prévention, c'est le vaccin. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est important qu'on se focalise sur le traitement. Je suis pas mal d'accord avec vous. Et le traitement symptomatique a fait des résultats. Jusqu'à présent, tout le traitement qu'on est en train d'administrer, c'est le traitement symptomatique. Avec des essais cliniques, par exemple à la chloroquine, par rapport à d'autres antiviraux qu'on est en train de développer à gauche, à droite. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est pas important que les gens se focalisent sur ce vaccin. Et aussi, faut-il préciser, un vaccin, on ne peut pas l'avoir d'ici un an. Non, ce n'est pas possible. Un vaccin, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec le COVID, on a montré une faiblesse de nos systèmes sanitaires internationaux de façon globale. Tous les systèmes sanitaires, tous ces gens qui se targuaient d'avoir l'un des meilleurs systèmes au monde, malheureusement, sont butés par ce COVID. Maintenant, les laboratoires aussi, ça devient un gagne-pain. Il y a des laboratoires qui savent que si tu découvres ce vaccin, mais écoute, c'est des milliards de dollars en jeu. Maintenant, tout le monde est en train de s'activer à gauche, à droite. Mais il ne faut pas perdre de vue un vaccin, il faut des essais cliniques. Il faut des études toxicologiques, il faut beaucoup de choses scientifiques qui méritent beaucoup de réflexion et beaucoup de précautions. Parce que en administrant un vaccin, il va falloir attendre à des conséquences, ce qu'on appelle des effets secondaires, qui peuvent être dangereux pour certains enfants, pour certaines personnes sensibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, le focus doit être mis sur le traitement, le focus doit être mis sur le traitement curatif, le focus doit être mis sur la prévention, mais ne pas penser à un vaccin qui est un cadeau du ciel, qui normalement peut venir, mais pas maintenant, tout de suite et maintenant, non, ce n'est pas possible. Le vaccin, il faut beaucoup d'étapes qui nécessitent beaucoup de travaux, de recherches scientifiques, et les experts sont en train de faire dans ça. Je dis que partout à travers le monde, des experts sont en train de se focaliser sur des vaccins, et on pense qu'on aura des résultats, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Il faut même un peu de temps, donner le temps au temps, afin qu'on trouve une solution idoine, afin que tout un chacun s'y retrouve. Pour l'instant, s'arrêtons-nous, focalisons-nous sur les mesures barrières, sur les choses qui ne pourront pas propager le virus et sur le traitement curatif que seuls les médecins peuvent faire. Ne prenez pas de médicaments chez vous, ne pensez pas, n'entendez pas des choses, vous les prenez, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune protection pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a que le traitement curatif et les mesures barrières et une protection éventuelle qui peut se faire que par la prévention.
Merci pour qui peuvent se faire par la prévention. Je vous rappelle donc que c'est toujours Afrique Today. Je suis en direct avec le docteur Alubo qui nous parle actuellement des studios de Vision Africa TV. Je vous rappelle que cette interview a été réalisée grâce à la participation de Vision Africa TV basée à Dakar au Sénégal. Alors docteur, Je crois que nous avons beaucoup de choses à parler, mais je sais qu'au Sénégal actuellement, il y a ce qu'on appelle le couvre-feu. Je ne vais pas prendre beaucoup votre temps, je vais vous laisser partir. Mais avant de vous laisser partir, il y a cette peur qui suscite chez des gens. Vous ne croyez pas que des mesures seront prises après ce coronavirus. Par exemple, il y a des auditeurs qui nous envoient, il y a des téléspectateurs qui nous envoient des messages en disant que, bon, actuellement, toutes les frontières sont fermés, ce sont des mesures préventives, tout est arrêté. Et y aura-t-il une solution après l'ouverture de ces frontières? Quelles sont les résolutions qui seront prises? Peut-être on va exiger aux gens de se vacciner avant de voyager. Et pourquoi ça suscite beaucoup de... Pourquoi il y a trop de rumeurs sur ce coronavirus? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que la situation, elle est inquiétante à bien des égards, d'autant plus que ça touche tout le monde et pratiquement aucun pays n'est épargné. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on appelle le mass screening, c'est-à-dire qu'il faut un dépistage en masse quand même pour savoir le statut de beaucoup de personnes, parce que malheureusement, pour beaucoup de pays, on n'a pas entendu de cas. Comme je l'ai si bien dit, il y a des cas asymptomatiques, des gens qui ont le virus malheureusement, qui peuvent transférer, contaminer des personnes et ces personnes ne sont pas malades. Donc c'est ça le danger. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé quand même de prendre du temps. Là, on ne peut pas dire que la situation internationale va se régler d'ici peu. Moi, je pense qu'il va falloir quand même laisser un peu de temps pour savoir quelles sont les mesures qu'on va prendre. Maintenant, vacciner n'est pas une solution. On ne peut pas vacciner comme ça parce que le vaccin n'est pas encore trouvé. Et pour faire un vaccin, il faut vraiment des essais cliniques, faire ce qu'on appelle l'efficacité thérapeutique, de convaincre les gens que ces vaccins-là peuvent être utilisés sans effets secondaires extraordinaires. Les effets secondaires, c'est normal. Je disais tantôt qu'un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, ce n'est pas un médicament. Mais que les effets secondaires soient amoindris, que ça ne donne pas des conséquences qui peuvent faire tuer des gens ou bien créer des soucis. Maintenant, on ne peut pas dire que pour ouvrir les frontières, il faut vacciner tout le monde. Là, ce n'est pas une solution. Non, ça, ce n'est pas possible. Je pense que ce qu'on va faire, c'est faire doucement, attendre encore, d'avoir des informations beaucoup plus crédibles sur le virus. Parce que vous savez que ce virus, il est nouveau. Il a surpris tout le monde, on ne le connaissait pas. Ce qui fait qu'il étonne les gens. Maintenant, on aura une idée beaucoup plus claire, peut-être d'ici un trimestre ou bien un semestre, on aura une idée beaucoup plus globale sur ce virus-là. Et là, on saura. La communauté scientifique internationale, elle est bien préparée pour prendre des mesures qui s'y aident. Discutant avec les dirigeants du monde, on pourra trouver des solutions. C'est bel et bien possible. Mais là où nous sommes, honnêtement, tout est prématuré. On ne peut pas se prononcer de façon universelle, ce qu'on peut dire peut-être au cas par cas. Mais il va falloir trouver des solutions qui sont globales, parce que le monde aujourd'hui, c'est le One Health, c'est le Global Health, c'est tout le monde. Et c'est un seul monde, c'est un village planétaire où tout un chacun se retrouve avec la mobilité et tout. Donc, attendons un peu, je préfère qu'on fasse doucement, qu'on attende un peu, qu'on ne prenne pas des mesures de façon prématurée, afin que d'autres sources pourront les mêmes puissent venir de ça. Donc je préfère qu'on fasse doucement, avançons lentement et sûrement afin qu'on trouve une solution idoine par rapport à cette pandémie de COVID-19. Oui, docteur, mais attendre combien de temps? Vous savez, par exemple, ici aux États-Unis, toute une ville, par exemple, New York est carrément fermée, personne ne sort, personne ne va au travail. Et il faudra qu'après cela, les gens se remettent au boulot. On va attendre un mois, deux mois, trois mois, combien de mois? Vous croyez que combien de temps il faut à un gouvernement, vous qui êtes dans la santé, à un gouvernement qui est dans la santé, de donner les délais aux gens? Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus... Les compagnies même ont arrêté carrément ici de recruter parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passera demain. Donc personne ne recrute, ils attendent les lieux, beaucoup d'événements ont été renvoyés et beaucoup de choses ont été carrément annulées. Donc les enfants ne vont pas à l'école. Selon vous, vous êtes dans la médecine, en tant que médecin, il y a certaines personnes qui nous regardent actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de temps il faut attendre? Combien de temps cela va durer selon vous? Oui, merci Alain. Effectivement, honnêtement, c'est une question très, très intéressante. Je suis pas vraiment d'accord avec vous. C'est une question, comme je te dis, c'est universel.
c'est partout à travers le globe terrestre. Maintenant, moi, je préfère être prudent en disant qu'il faut un semestre. Un semestre, ça veut dire d'ici 6 mois, on ne peut pas donner une situation exacte. Je suis d'accord avec vous parce que moi-même, j'étais inquiet lorsque j'ai vu les chiffres de New York avec 140 000 personnes atteintes, avec minimum 5500 décès. C'est juste une ville, vraiment, moi, j'étais même sidéré. Mais pour dire que c'est normal parce que malheureusement, c'est la mobilité internationale. Vous savez, les pays qui ont réglé le problème, par exemple l'Allemagne, vous savez, l'Allemagne, machallah, on peut dire c'est chez nous, ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de soucis par la Corée du Sud parce qu'ils ont très tôt fait ce qu'on appelle le dépistage en masse et ils ont commencé à faire des confinements et à suivre les gens. Donc vraiment, ça, c'est des débuts de solutions qu'on est en train d'étudier, faire des confinements partiels, faire des mass screening, c'est-à-dire dépistage en masse, de trouver des solutions alternatives afin qu'on endigue le problème parce qu'il faut l'endiguer. Et là, honnêtement, chaque pays est spécifique parce que ce qui est réel au Sénégal n'est pas réel au Cameroun, n'est pas réel en France, ni aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, il va falloir trouver des solutions parcellaires et ensemble, on trouve une solution globale. Mais là, je préfère dire dans un semestre parce que la façon dont ça se passe, la façon dont ça peut être dangereux et dépendant des contextes et des zones, on ne peut pas donner une solution d'ici là. Malheureusement, quand le vin est utilisé, il faut le boire, l'affaire est venue et on est d'accord que c'est des répercussions énormes au niveau économique, au niveau social, mais à mon avis, il n'y a pas de solution. La seule solution pour l'instant, c'est d'avancer lentement et sûrement, essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce qu'en faisant une erreur, en confondant vitesse et précipitation, retourner au travail, ça peut être une catastrophe. Prenons le cas des élèves. On ne peut pas se permettre d'amener 60 garçons dans une salle de classe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. On ne peut pas s'aventurer à le faire. Maintenant, c'est les mesures barrières qu'on peut faire en attendant. Parce que faudrait-il signaler également qu'il y a des porteurs asymptomatiques. Des personnes comme vous et moi qui peuvent tomber malades jusqu'à guérir, qui ne sont pas allés à l'hôpital. Et c'est normal parce que leur corps est protégé. Donc, dans ces cas de figure-là, on ne peut pas s'aventurer à rassembler les gens, à continuer de faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Là, malheureusement, trouvons des solutions, réfléchissons que les économistes, les scientifiques, tout un chacun, mais nous en science, moi je préfère être prudent en disant au moins d'ici à 6 mois, on pourrait avoir une idée beaucoup plus claire par rapport à la situation c'est-à-dire partout à travers le monde. Oui, docteur, ça ce sera peut-être ma dernière question. Comme je disais, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais il y a des gens, nous avons constaté que on parle du confinement, mais il y a des gens quand même qui tombent malades malgré qu'ils sont confinés pendant des mois chez eux, ils ne sont sortis nulle part, ils ne sont allés nulle part, mais ils tombent quand même malades. Comment vous pouvez expliquer cela? Merci, M. Alain. C'est ce qu'on appelle chez nous la transmission communautaire. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui reviennent, même chez nous ici. On a vu beaucoup de cas communautaires, c'est-à-dire que c'est un cas où on ne peut pas faire un lien épidémiologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui l'a contaminé. Vraiment, c'est des cas qui sont arrivés et moi, c'est ce qui m'inquiète dans nos pays. Parce que si tel est le cas, connaissant la situation de l'Afrique, où la chaleur humaine, où les gens ont l'habitude vraiment de se fréquenter, et on ne peut pas lier exactement la personne, elle vient d'où, où est-ce qu'elle est passée, faire retracer tout ce lien épidémiologique-là pour faire un suivi exact. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est là, qui est une réalité. Maintenant, on est en train de voir comment ça se passe. Tantôt, c'est des gens en contact qui avaient quitté les lieux sans pour autant qu'on identifie. Tantôt, c'est des personnes qui sont vraiment malades. Parce que le système immunitaire avait une capacité de résistance par rapport au virus, au point qu'au début, il n'y avait rien, malheureusement, c'est apparu. Donc là, c'est cette étude qu'on est en train de mener exactement pour dire les cas communautaires proviennent d'où. Mais c'est une réalité qui n'est pas africaine, non, qui est internationale, qu'on a vu un peu partout, mais on s'inquiète parce qu'on ne peut pas faire de retraçabilité, ce qu'on appelle faire un lien épidémiologique. Mais il est contaminé par qui on est en train de chercher. Et là, ça peut prendre du temps. Ce qui fait que je préfère dire 6 mois parce que je sais que le virus il est nouveau. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce plan-là. Mais des scientifiques sont en train de faire d'arrache-pied afin qu'on trouve une solution. Mais encore une fois, c'est une réalité qui est là. Il y a la transmission communautaire et inquiétante. Parce que si c'est un cas contact, on peut le suivre. Si c'est un cas importé, il a pris un avion tel. Le Boeing 737, comment dirais-je, le 164 Airlines, on peut retracer ses passagers, on les suit. Mais si c'est une transmission communautaire, malheureusement, c'est un peu difficile. Il va falloir vraiment faire un travail de santé communautaire, de santé publique, pure et dure, afin qu'on retrace
toute la traçabilité qui s'y est et ça peut prendre du temps. Et malheureusement, pendant ce temps, d'autres sont contaminés, ainsi de suite, et ce qui fait que ça ne permettra pas d'endiguer facilement cette pathologie. Du coup, je préfère dire que ça peut prendre un peu de temps. Prenons notre mal en patience, acceptons cette pathologie, acceptons les possibilités qui sont là, faisons avec, coopérons avec les professionnels de santé, racontons à tout le monde, soyons un vecteur de sensibilisation. Moi, je préfère, au niveau individuel, que tout un chacun se dise que je peux faire quelque chose. En quoi faisant, j'ai vu des gens se faire la main, je dis non, c'est pas bon, parce que les médecins ont dit. Les gens qui veulent s'embrasser, les gens qui veulent être côte à côte, je préfère dire non, alors que c'est respecter 1 mètre, 1m50. Ça permettra de diminuer les dangers. Honnêtement, tout un chacun a un rôle à faire à travers la radio, à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, plutôt que de véhiculer des fausses informations qui, malheureusement, ne permettent pas de régler le problème, peuvent indiquer, non, empirer la situation qu'on est en train de vivre. Parce que là, tout le monde est dans une psychose. La psychose, elle est collective. Mais faudrait-il vraiment être un peu plus calme, accepter la situation, faire avec, et je pense qu'on pourra trouver une solution. Lavons-nous les mains, soyons vraiment... de façon responsable, réglons les problèmes. On pense qu'on peut régler 80 à 90% des choses. Et là, ensemble, on y arrivera. En fait, le virus, le plus qu'il faut avoir peur, c'est le virus médiatique, les fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux et qui met la dépression dans l'organisme des gens. Parce qu'il semble que lorsque quelqu'un est dépressé, son système immunitaire baisse, la défense baisse. Donc, regardez moins les mauvaises informations et suivez tout simplement ce que le gouvernement vous propose. Alors, docteur, je vais vous laisser partir parce que je sais qu'il y a le couvre-feu bientôt au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en général aux Africains qui vous regardent actuellement et aux Sénégalais concernant qu'est-ce qu'ils doivent faire, quels sont vos conseils, est-ce qu'ils doivent continuer, est-ce que si on leur dit demain de prendre, parce que les gens ont toujours peur de ce vaccin, je ne sais pas pourquoi il y a eu beaucoup de polémiques sur ce vaccin, les gens ont parlé de la chloroquine, il y a beaucoup des informations qui ont circulé là-dehors, quelle information il faut croire, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est votre dernier message? Merci M. Alain, je m'en vais vraiment dire que nous autres Africains continuons à être fiers de notre système sanitaire. Continuons à travailler avec le ministère de la Santé de l'ensemble de nos pays et on préfère aussi que nous autres responsables sanitaires qui travaillons à travers les pays africains qu'on mutualise nos efforts afin qu'on travaille ensemble. C'est important d'autant plus que c'est le concept de One Health, le monde entier a besoin de nous, qu'on mutualise nos efforts afin qu'on trouve des solutions. C'est important également qu'on évite les fausses informations qui circulent sur les médias, les réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est devenu une pourriture. Alors que ça pouvait régler beaucoup de choses. Il y a tellement d'applications qu'on pouvait développer pour sensibiliser les gens, pour les accompagner, pour éviter beaucoup de choses. Mais si on entre sur le net que pour dire ce qu'on veut, pour apeurer les gens, c'est pas bon. Là, il y a une psychose qui est là. C'est le plan économique, c'est le plan sanitaire, c'est le plan, c'est tous les plans. Donc, vraiment, il faut faire attention. Pour les gens qui étaient malades, qui avaient des maladies chroniques, je leur conseille de se rapprocher de leur médecin. Pour les femmes enceintes, je leur conseille d'éviter, on te dit chloroquine, ne prenez pas. Allez-y, parlez avec votre médecin traitant. Pour les gens qui avaient des problèmes de, comment dirais-je, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale, ainsi de suite, n'arrêtez pas tout, suivez vos médecins. Ne prenez pas des médicaments comme vous voulez, non. Suivez vos médecins, on va vous accompagner dans votre traitement. Parce que vous êtes des sujets sensibles et vous pouvez, ça, votre maladie peut vraiment créer des soucis. Donc, suivez vos médecins. C'est important également que je préfère, et aussi c'est avec un réel plaisir que je le dis, il y a une lueur d'espoir. On est en train de soigner beaucoup de personnes. Ne passez pas au désespoir. Soyez optimiste. Sachez qu'ensemble, on peut y arriver. On est en train de guérir beaucoup de personnes. Il y a malheureusement certaines personnes qui meurent. Mais combien meurent du sida? Combien meurent du paludisme? Combien meurent de la grippe A aux États-Unis, ainsi de suite. Mais nous, on est en train de guérir la maladie. Et on pense qu'ensemble, on y arrivera. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Soignons, nous sollicitons, comment dirais-je, l'information réelle. Discutons avec les professionnels de santé, discutons avec tout le monde. Et soyez des ambassadeurs de la santé partout où vous êtes. Si vous voyez des choses qui ne sont pas catholiques du tout, discutez avec ces gens-là, conscientisez-les, parlez-les, dites-les vraiment à ces moments-là, c'est interdit, on ne peut pas faire ceci, on doit éviter ceci pour votre santé, pour votre bien. Parce que vous avez des familles, vous avez des femmes, des enfants, vous avez tout. Donc vraiment, c'est ce que je voulais véhiculer. Nous tous, on doit être des vecteurs de communication afin de sensibiliser davantage et prendre la bonne information.
prendre la bonne information permettra d'endiguer le souci. Et peut-être c'est un peu rigolo, mais je préfère le dire. Vous savez, l'Afrique a quelque chose de plus. L'Afrique a ce qu'on appelle la foi. Notre foi inébranlable nous permet de faire des prières. Et moi, j'y crois beaucoup que les musulmans, que les chrétiens, que toutes les religions prient. Parce que Dieu le Tout-Puissant, que nous vénérons nous tous, on sait que c'est quelqu'un qui est miséricorde, qui est clémence. Prions-le afin qu'il nous accompagne, afin qu'il nous aide. Parce que lui seul peut nous aider aussi dans ces conditions-là. Donc vraiment, c'est le message fort que je voulais lancer à l'égard de tout un chacun. J'en profite pour remercier vraiment Vision Africaine Today et Afrique Today, avec Afrique TV, Afrique Today, c'est un réel plaisir de véhiculer des messages qui peuvent servir à la population mondiale tout entière. Merci. Merci docteur, vraiment pour ce message très très intéressant et merci vraiment à cette très grande collaboration de Vision Africa TV. Je vous rappelle que Vision Africa TV, c'est une télévision basée au Sénégal, à Dakar. C'est eux qui nous ont permis donc de réaliser ce concours avec docteur Aluba qui était avec nous en direct. Je rappelle que docteur Aluba, c'est un docteur en pharmacie option biologie. Il est aussi diplômé universitaire en mission humanitaire, mission d'urgence à Caen en France. Il était aussi responsable de zone pendant 6 ans avec IntraHealth International, conseiller technique pendant 2 ans avec USAID, directeur des laboratoires d'AICO-SAR depuis novembre 2019. C'était lui qui était actuellement entre nous ici, il nous donnait un peu les détails. Nous avons parlé de presque tout, nous avons parlé de la situation au Sénégal, de la situation dans le monde. Il était donc ici avec moi, ici sur Afrique Today, pour nous parler de ce qui se passe dans le monde, comme on peut dire, dans le monde du coronavirus. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui se sont donc connectés durant cette émission, restez connectés, c'était donc Afrique Today et beaucoup de personnes me posent souvent la question comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très très simple, vous pouvez regarder Afrique Today en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Téléchargez déjà nos applications et vous allez voir Docteur en direct sur notre plateforme et si, lorsqu'on aura encore l'occasion, on invitera encore le docteur ici sur le plateau d'Afrique Today grâce à la collaboration de la chaîne de télévision basée donc au Sénégal, donc Vision Africa qui nous a vraiment aidé à réaliser cette émission. Donc merci à tous, merci d'avoir été des nôtres. Donc c'était donc cette édition spéciale sur le coronavirus. Envoyez des questions si vous avez. Je vous retrouve certainement prochainement. À bientôt. Merci. Thank you.